chérie, apprends à dire merci. Apprends à dire merci, Coco Lago. Coco Lago, ce que tu as fait là. Aujourd'hui, c'est là que je balance les gosses. Et collectez-vous les amours. Il est 22h. Il est 22h, heure du Cameroun. Collectez-vous. Et va balancer les voix. Nami, balance mes voix. Nami, balance. Are you mad? Why is your problem? What is your problem? Coco Lago, c'est un problème. Si c'est quand tu. Et si c'est quand tu es pauvre, si c'est quand tu n'as pas star dans ta vie, pourquoi tu as venu malcriter les dépenses? Les dépenses t'as donné quoi, Coco Lago? Coco Lago, les dépenses t'as donné quoi? Tu es la seule mince. Donc tu vas dire que tu es placé là, tu n'as jamais vendu au piment. Tu n'as jamais vendu au piment. Parce que les dépenses vendent son piment, ça te choque. Ça te choque. Vraiment, les amours, connectez-vous. Hein. J'ai les voices à balancer. Je vais balancer ces voices. Je suis trop énervé. Trop énervé pour ces insubordinations catholiques. Ce qu'elle a fait n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous-même, vous ne pouvez pas tolérer quand vous insultez de cette façon. Quand vous insultez de cette façon, vous ne pouvez pas tolérer. J'ai le voyez sur le téléphone. Hein. Les voices là sont ici là. Donc, tant que vous ne partagez pas le direct, et vous ne bouleversez pas les cœurs. Parce que vous savez quand Priscaline parle, j'aime les cœurs. Bouleversez-moi les cœurs. Bouleversez les cœurs. Voilà. Je vous demande de partager. Je ne vous supprime pas. D'ailleurs, vous me voyez souvent quand il fait souvent mes vidéos là. Je n'ai plus le temps de ces choses là. Mais là, depuis, je reste tranquille. Coco Lago vient manquer le respect à l'indépendance. Vous êtes sur la toile, vous souriez, hein? Vous souriez, vous êtes chien. On va piétiner la fille là. On va piétiner la fille là. La fille là vous demande quoi? Elle vous demande quoi? L'indépendance a fait son buzz. Elle a fait son mariage. Vous avez insulté qu'elle est prostituée, qu'elle ne peut jamais se marier. Mais pour une fois dans sa vie, elle s'est mariée. Nous disons que le mariage n'a pas donné. Elle n'est pas la seule sur la toile que le mariage ne donne pas. Elle n'est pas la seule. Elles sont pleines là. Disons que toi, Coco Lago, tu vends ton piment ne paye pas. Reste tranquille. Calme-toi. Moi, j'ai vendu le piment et mon piment passe bien. Mon piment est meilleur. Et grâce à mon piment, je réussis dans ma vie. Je réussis. Tu peux vendre le piment de 200. Après, tu viens de plaindre sur les gens qui ont réussi. Les dépenses t'ont lavé, Coco Lago. Les dépenses t'ont lavé. Les dépenses t'ont nettoyé. Tu te permets de venir m'insulter. Vraiment. Quand on vous dit dans la vie qu'il faut respecter l'amitié, il faut respecter. Tu connais les dépenses. Les voix se retrouvent dehors. C'est une amitié, ça. Tu es venu travailler chez elle. Elle t'a nourri. Elle t'a fait ceci. À cause d'être quelqu'un aujourd'hui, c'est quelqu'un aujourd'hui. Et dit toi, Coco Lago. T'as vraiment la femme là. T'as gueule à moi. Tu te permets d'insulter les dépenses de prostituées. Toi, tu vas prostituer. Toi, tu vas vendre le piment. Toutes les filles qui vendent le piment à la maison sont des pimentières. Ce sont des pimentières. Ils sont que tu es jalouse. Tu es jalouse. Si tu veux être star, dis-nous, on va te rendre star. Dis-nous, on te rend star, ma chérie. Marquez à toi. Je vais balancer les voices. Je vais balancer les voices. Tu as manqué, on va pas les dépenses. Tu as manqué au respect à une femme déterminée. Une femme déterminée, qu'est-ce que vous voulez à cette dame-là? Qu'est-ce que vous voulez à cette dame-là? Qu'est-ce que vous voulez à l'aide du Ponce? Elle vous demande quoi? Vous êtes parti gâter son mariage avec Ponce. Avec Ponce, vous êtes parti gâter son mariage. Gâter son mariage, fatigué. Ça ne vous suffit pas. Maintenant, tu veux gâter son marché de piment. Tu veux gâter son marché de piment. Coco Lago! Coco Lago, je dis que non, aujourd'hui c'est là. Tu as voulu être star. Priscaline va te rendre star. Il va te rendre star. Il va condamner tous les blogueurs. Tous les blogueurs ils vont suivre. Ils vont te chercher. Tu veux être star, non? Demain matin, ami poster des vidéos you. Ami poster vidéo you. Ami poster vidéo you. Coco Lago. Marco, on dit ami poster la vidéo. Ami poste la vidéo. Ami poche la vidéo, Coco Lago. Pour le moment, je commence par les voices. Rien ne commence par les voices. Dieu la force. Vraiment, salopard comme ça, rien, ton lien. Chien pas. Chien pas ton état. A tchouzou pas chou mon gala. Bonjour, ka. A tchou maou. A tchou paou. A tchou ndou. Tu vas pas le fond. Tu m'insultes. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Tu dis que oh, crève, ça t'a un bimoulé, ça fait quoi?
Voilà ton problème. Des énormes et appuissés, on lit plusieurs fois. Des énormes et appuissés, c'est comme on lit plusieurs fois. Tu veux parler fort, que crache le spectateur. Qu'est-ce que toi tu fais debout, chien pas. Qu'on attend comme ça là. Qu'est-ce que toi tu fais debout? Comme moi, j'appelle comme moi. Apparemment, tu es un célibataire. Mon père, tu es célibataire. Va regarder le porno sur Facebook. Va regarder le porno sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, c'est là. C'est une insubordination. Il y a une fille qui a insulté copieusement les 10 penses. Elle a lavé les 10 penses. Elle ne veut pas laisser ça. Je ne laisse pas ça. Je balance les voices. Je veux bien parler fort. Chiant comme ça, la kuna. Ujuka. Malinga kuna. Mais, dans tes mêmes champs, ma soeur, tu m'insultes, merci. Tu m'insultes, t'insultes. Mon père, c'est mon magasin. Ma bouche n'est pas le frein. Tu m'as piqué de piétine. Une fois, c'est l'air, mais elle dit, bon, tu m'insultes. Tu m'as dit que crête, mes adhérents. Bouh, bouh, chien porc. Moi, je m'en fous, hein. Quand il s'agit de dire la vérité, il ne connaît pas le frère, ne connaît pas la soeur. Quand il dit la vérité, vous avez vu les voix qu'on a balancées? Vous avez vu comment la réputation de Dibon s'est salie à cause d'une amitié? D'une amitié? Elle se confiait tout à Rogolago. Une bonne champus. Elle prenait son Rogolago. Elle l'avait mangé avec elle. Comme le mari s'avait pensé dans ses gâtés. Maintenant, il faut qu'elle détruise sa vie copieusement et bien. Je vais envoyer les boys. Je suis pas là pour blaguer. Hein. Ne blague pas. Tant qu'on ne voit pas plus vos cœurs, je ne balance pas les boys. Je ne balance pas. Tant qu'on ne voit pas. Parce que je parle avec le ciel. Et pas avec le ciel ici. Là. Donc, vous dites, est-ce que pas vous là, vous versez les commentaires, vous versez le cœur et partagez. J'ai les voix. Vous parlez de blague. Je blague. Vous piétinez une nationale. C'est une nationale, vous êtes piétinez là. Vous êtes piétinez une nationale. Elle vend le piment. Vous ne vendez pas le piment. Combien de filles sont dehors si vous vendez le piment? Hein? Combien de filles? Coco la gote, tu veux tu manges le piment? Tu veux quand je fous ta vie là-bas où tu es là? Ben où tu es là? C'est pas un homme qui t'a envoyé en ben? Où tu fais la cuisine là? C'est pas un homme qui t'a envoyé là-bas? C'est pas un homme qui t'a envoyé là-bas? Tu es passé dans ton cerveau? Hein? Tu veux te placer carrément? Tu veux que tu vas être star? Et puis ça va te voir, va te rendre star. Mais c'est même quoi le plus là? Allez, c'est 22h23, puisqu'il ne dort pas. C'est même quoi? Depuis hier, elle a commencé ça, maman là. On ne peut qu'esquiver, on ne peut qu'esquiver. Elle veut continuer. Elle a pour détruire les dépenses. Tu veux gâter la vie des dépenses? Tu n'es même pas né. Vous avez fait comme ça son mariage. Avec son mariage, son mari qui n'avait même pas le temps. Tu as pas dit gâteau pour ce faire là-bas, il t'a barré. Même si tu l'apprends à Lady Ponce. Mon pense-faire là, il a vu que tu n'avais même pas la valeur là, devant ses yeux. Il est venu avec une fille brune, non? Avec une fille brune comme ça là. Quand vous nourrissez pour une fois dans la vie, vous respectez les gens. Il faut dire merci. Ça, c'est l'ingratitude. Vous comprenez ça? Elle est ingrate. Tu es ingrate. Mais les voices, tu vas poster. Je suis parti, tu peux péter la nationale. J'achète ce problème. Et que j'achète ce problème. Puisqu'elle n'achète le problème, j'achète ce problème là. Tu as insulté la nationale. Mais moi, j'ai pas de dormir tranquille. Tu vas gérer ça. Mais pourquoi la route, tu veux quoi? La dernière fois, elle a fait ça, on a laissé. La dernière fois, elle a insulté les 10 personnes, on a laissé. C'est sorti que wow, elle a sa bouche, la large gueule là. Là, je gueule là. Tu as ton commerce là-bas en bain. J'ai ton commerce tranquillement. Et à quoi que tu t'exhibes. Oh, elle dit pour les sorcières. Oh, elle dit pour les pimentières. Oh, mon descendu. Elle dit pour ça, jamais réussi. Mon frère, tu es son Dieu. Coucou la croix, tu es son Dieu. Hein? Tu n'as pas honte? Oh mon Dieu. Non. Je vais balancer les voix là. Je vais te balancer. Moi, je suis en contact avec les journalistes. Hein. Avec les journalistes, je suis en contact avec les journalistes. Donc, quand les insubordinations se présentent, ça tourne comme ça là.
Depuis les, vous les internautes m'envoyez. Mais je mets ça de côté comme ça là. Mon ami journaliste, il m'a envoyé, je vais regarder. Tu es là, tu es parti vivre chez quelqu'un. Tu es parti avec la bonne chez quelqu'un. On t'a lavé, on t'a bien pressé. Tu es sorti là-bas avec un métier dans le cerveau. Avec un métier dans le cerveau. Mais lorsque tu as ta cuisine, tu viens insulter Lady Boss. Vous voulez quoi, cette dame? Vous avez insulté qu'elle est infidèle. Elle a trompé son mari. Qu'elle a trompé son mari. Elle a lâché. Elle est restée dans son coin tranquille. Mais vous voulez toujours la détruire. Je vais lancer les voix, sinon. Je vais lancer. Écoutez-moi très bien. Je suis pas là pour blaguer. Je vais lancer. Je vais lancer. Voilà. Écoutez comment elle parle à la petite pensée. À une femme qui l'a lavé. Voilà. Attendez. Voilà. Vous avez compris? Ça va continuer. Vous sentez l'aigreur, la jalousie dans elle. Que je vais vendre sur le piment comme toi. Quand elle parle tout ça, on dit que wow, puisqu'elle ne bavarde beaucoup, Vous avez écouté ce qu'elle a dit? Je vais vendre sur le piment comme toi. Elle dit qu'elle est jalouse de Lady Ponce. Et Lady Ponce, tu dois faire attention. Parce que ce genre de fille qui est envieuse comme ça là, tu vas un jour risquer ta vie. Faut faire très attention devant ce genre de comportement de femme. Faut faire très attention de Lady Ponce. Faut faire attention. Faut faire attention. Où elle est en place. Tu sais, tu marches même là. Même le verre qu'on te donne. Le simple verre qu'on te donne, quand tu bois l'eau. Vérifie bien l'eau là. Prie même 10 fois dessus. Parce qu'avec le pays qui est devenu dangereux là. Les gens sont devenus jaloux car c'est le poison qu'on tue les gens. Vous avez le poison qu'on vous enterre. Quand vous prenez le couteau, piquer le cœur de quelqu'un, c'est difficile là. Maintenant, c'est la poudre. On met la poudre pour vous assassiner. Faites très attention. Quand il fait envie déjà, réfléchis 10 fois. Non. Donc, je vais continuer les voix. Je vais continuer. Ne vous inquiétez pas. Je suis même pas pressé. Et demain matin, je balance ces voix ici sur mon Facebook, sur ma page. Je balance les voix ici là. Je ne suis pas là pour blaguer quelqu'un. Quand vous commettez des insubordinations, je dois parler. Et là, vous mettre à l'ordre comme ça là. Oui, toi qui dis que je suis juge. Je suis juriste. Oui, je suis la juriste de Facebook. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Hey. Ma côte est chaude. T'assois, comment ma puce, maman? T'assois, mon bébé. Mince. Alors, sinon, on ne dort pas. Parce que Coco Lago fait le sabotage. J'aime pas les voix. Je vais balancer. On n'est pas pressé. Mince. L'orienton là me parle de quoi? Qu'est-ce qui s'est même passé? Tu vas écouter la voix, ma chérie. Ce qui s'est passé, c'est que Lady Ponce a lavé Coco Lago. Coco Lago était sa boniche. Elle a donné un boulot. Elle a pris soin d'elle. Coco Lago était là. Elle prenait soin des enfants. Oui. Tu vois un peu. Maintenant, alors, Lady Ponce, c'est que comme tu es grande fille, tu peux apprendre soin de toi-même. Sors de chez moi. Quand il faut sortir de chez moi, va te construire ailleurs. Va. Oui, bien sûr, quand nous sommes majeurs, là, on doit quitter de la maison d'aide. Oui, quand tu es chez ton parent, dès que tu as 25 ans, là, tu sors, tu pars lui ailleurs. Est-ce que Lady Ponce a dit à Roko Lago? Mais Roko Lago n'a pas compris ça. Et maintenant, elle se fâche, elle crée Lady Ponce de primatière. Elle dit que Lady Ponce est méchante, Lady Ponce est montée descendue.
Juste parce qu'on a dit qu'elle porte son sac et pas. Et elle a refusé, on a insisté, on a mis ses bagages dehors. Maintenant, elle commence à faire les voices. À faire les voices. Donc vous voyez un peu qu'il faut vous méfier de vos entourages. Oui. La fessie m'a vraiment trop énervé, chers abonnés. Les amours de Priscaline. Ça m'a vraiment trop énervé cette affaire, Sina. Trop énervé. Je continue les voices. Je ne veux pas qu'on voit mon journaliste qui m'a envoyé la vidéo. Oh, hey, les filles, la maison qu'on t'a nourrie, la maison qu'on t'a mangée là-bas, quand tu disais que, oh, ma star, tu faisais les snaps. Tu dis qu'une maison qui avait les asticots, coucou la go. Ça veut dire que toi, tu es asticot, toi, tu es sale. Tu es bien sale. Puis quand tu marches, j'arrive qui marque les asticots. Mais toi, tu es asticomane. Hein? Pour une fois, les amours, il faut apprendre à dire la vérité. Le salopard, tu me dis que puisque tu veux les vues, ta maman, tes noyaux, tu comprends, non? Le punka, Jumu. Qui vient lâcher les vues que tu as? Tu es malade? Tu es mal dans ton cerveau? Je te rappelle que j'ai signé un contrat de 5 millions de francs CFA. Je te rappelle ici dans ce Cameroun. Je te rappelle que mon père, c'est Stilofa. Tu comprends un peu? Donc je ne manque pas si, donc je n'ai pas faim. Tes abonnés, c'est rien. Je n'ai pas faim. Tu comprends, monsieur? Pour faire créer la zone, quand tu me parles comme ça, tu es en train de parler à une représaille. Une représaille. Je ne marche qu'avec des boss. Mes amis sont que des benguistes. Tu comprends ça? Chien pas comme ça là. Ne me parle plus comme ça. Hein? Tu supportes quoi comme ça? Tu supportes quoi? Depuis que toi tu es né là, est-ce que tu as mangé seulement 1 million? Est-ce que tu as mangé seulement 1 million? Alors que moi, juste le congrès de 5 millions à 5 millions, c'est rien. Et pour ta gouverne, je suis en train de réfléchir comment renouveler ce contrat. Parce que 5 millions pour moi c'est petit. Je dois aller ma partie de 10 millions. Tu comprends un peu ça? Tu comprends? Tu viens me parler fort comme wow, puisque tu veux les vues. Il faut quoi tes vues? Ce sont tes vues qui me nourrissent. Ce sont tes vues qui payent ma maison. Ce sont tes vues qui payent, qui envoient mes enfants à l'école. Hein? C'est toi qui payes ma facture prépayée. Mon compte est prépayé, c'est toi qui payes ça. T'es déjà demandé du crédit un jour. Il est 22h33, mon cher. Alors, c'est devait dormir. Le gars, si. Qu'est-ce qu'il arrive? Il m'a su de lui, hein. Je peux en m'appeler ton nom. Ça, c'est trop gaspiller ma salive. C'est trop qu'on te fabrique. Je ne veux pas fabriquer les stars comme toi. Tu comprends un peu? Je ne veux pas te fabriquer. Donc, il faut me respecter. Je suis une représaille. Je représente l'ensemble Cameroun. Quand une insubordination cartésienne, je pose mon téléphone et parle. Je n'ai rien à demander à quelqu'un. Chien pauvre. Tu as raison. Lucie Rose. Bonsoir ma puce. Tu m'as dit que tu vas plus vite. Tu m'as dit que tu vas plus vite faire. Ok, je continue les amours. Tu veux dire un mot? Tu vas voir comment les gens vont encore se mettre sur toi. Tu peux faire ça à tout le monde, mais pas à moi. Tu es quoi? Tu es quoi? Coco Lago, tu es quoi? Ta femme va dire que je l'ai maltraité là. Les enfants sont malades, je ne dors pas la nuit. Je me lève, les enfants sont malades. Tu es parti en même temps. Moi, t'as le Covid. Elle est partie, comment? Tu vas dormir. C'est toi qui peux te lever, tu me parles à moi, Nyangoro. Hein? Tes enfants ont eu leur premier arbre de Noël, c'est moi, Nyangoro. Tu l'as fait à moi, Nyangoro. Tu as acheté un cadeau à deux enfants. Angèle, tu as acheté un cadeau. Marcel, tu as acheté un cadeau. Tu as commencé ta sortie.
sorcellerie là depuis décembre sur les enfants. J'ai acheté un arbre de plongée pharmacie pour que les enfants viennent. Coco Lago, tu as... Coco Lago, tu as habité avec une sorcière. Avec nous, tu as habité une sorcière. Apprenti sorcière. La secte dans ton cerveau. Tu pars, attendez, quand vous tu laisses le Cameroun ici, avec toute la richesse du Cameroun ici, tu as couru dans vous, tu pars en bain pour travailler, que tu pars en bain pour chercher l'argent, tu vas dormir en bain. On dort en bain. Une Africaine ne doit pas dormir en bain. Tu pars pour le travail, tu pars pour le travail, tu dois travailler. Tu dois travailler, c'est normal. Même si c'est moi. Dès que tu penses que tu es trop tolérante, hein. Elle est très tolérante. Parce que c'est moi. Si c'est moi, tu dois travailler jusqu'à. Quand tes abdos vont bien te faire mal, tes reins vont bien se casser. Si tu ne peux pas travailler en Belgique, tu descends au Cameroun. Il y a des chambres au Cameroun, tu peux travailler au Cameroun. Oh mon Dieu, je continue le voice. Je continue. Un repas familial. Tes enfants, moi tu m'ouvres la bouche sur moi. Mais tu es malade, c'est toi qui as un sérieux problème. Moi je vais très bien. Je vais très bien. C'est toi qui as un sérieux problème. Et je te dis qu'après moi, quand il va sortir de ta vie là, change avec les gens. Parce que tout le monde n'est pas comme moi. Tu as une personne que tu vas aller faire comme tu fais là qui va finir avec toi. Ça, je te le jure. Tu es très ingrate. Maintenant, les Togolais que tu as pris, que tu avais eux dans ta maison là. Alors là, c'est la personne dit que tu marches. Coucou la go. Tu parles des Togolais qu'elle a mis dans la maison. Ça te concerne. Tu as dit que les asticots de la maison, non? Tu as dit que les diposes sont sièges, non? Ça te concerne? Pourquoi tu fous dans la vie de les diposes? Une boniche restera toujours une boniche. Ouais? Oui, oui. Que quoi? La fille là qui balance. La fille, vraiment, c'est une foutaise. Elle cause avec sa patronne, elle balance les voices. Elle balance les voices, pourquoi? Non, il faut soutenir les diplomates de ce côté-là. Il faut soutenir. Si les diplomates a trompé son mari, il ne faut pas comment elle a détruit de cette manière. Elle mérite quand même le respect de tout ce qu'elle a fait pour nous dans ce pays. Elle a chanté pour nous, elle a fait ça pour nous. Même les filles qui ne peuvent pas faire les TikTok, les diplomates ne peuvent pas moi se commenter, pas moi se faire les partages. Mais ça là, pour encore la grande bonne comme ça, elle manque de respect des diplomates. Ça m'énerve même jusqu'à. Si tu ne peux plus vivre en Belgique, tu descends au Cameroun. Il y a les chats au Cameroun, plein. Et le terrain, tu veux travailler là-bas. Tu as pu se déranger. Tu comprends ça, Coco Lago? Chipique. Descends au Cameroun. Descends au Cameroun. On ne dort pas en bain. Tu comprends ça? On ne dort pas en bain. Tu vas dormir en bain. Tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi? Qu'est-ce que tu vas manger au Cameroun? Mais tout. C'est ça qui va te finir. Comme tu as l'ingratitude là. Tu es maintenant avec le type de cri que tu montes, tu descends, c'est lui et puis tout. Quand tu vas disparaître, là, tu vas bloquer ton téléphone, il t'écrit même, tu ne réponds plus. Eh, vraiment, hein. Moi, ça ne vaut pas la peine de parler, hein. Ça ne vaut même pas la peine parce que la fille, c'est une bandite. Une vraie rococo. Une vraie rococo. Les filles qui partent vendre le piment à 200 euros en bain. Tu vas vendre toi encore la gauche, tu vas vendre le piment à 200 euros en bain. 200 euros. Ya! Yeah. Ici au Cameroun, le piment a dépassé, tu es celui qui pense. Tu es celui qui pense. Vraiment, c'est une sorcière. Ne laissez pas ça. Ne laissez pas. On doit la lyncher complètement bien. On doit la lyncher. L'intimité des gens, c'est important. Tu crois que ta copine, tu vas balancer votre pourquoi. En sachant qu'on est dit pour c'est une personne publique. C'est une personne publique, on doit la respecter. C'est quoi, man? Elle dit, moi, nyangon. Que ce que tu as fait à moi là, tu peux faire ça à autre personne. Que tu as fait ça à autre personne, on va te bloquer. Vraiment. Quand tu faisais les snaps, on ne te voyait pas. Tu étais fier, non? Tu balançais que tu avais la star. Mais. Ça continue le voice là même. Tu ouvres ta grande gueule et tout machin, tout l'année. Il va te finir. Comme il entre chez toi là, il met ses tentacules. Il entre chez toi. Mm-hmm. N'oublie pas. J'ai un enfant chez eux, ne l'oublie jamais. C'est parce que le père de mon enfant est bon. Le jour qu'il va voir son frère, il va tout dire à son frère. C'est toi qui l'as. Ouais, Seigneur. Ça ne vaut même pas la peine de continuer l'histoire, si elle. Ça ne vaut même pas la peine de continuer cette histoire. La fille, là, c'est une menteuse. Elle veut faire tout pour détruire la carrière de Lady Ponce. Et nous n'allons pas tolérer ça. Si moi, je vois son passage quelque part, il fait un sale commentaire.
Et j'ai un sale commentaire. Elle a le droit de publier la vie de Lady Ponce. Elle a le droit. Est-ce qu'elle a le droit de publier la vie de Lady Ponce? Bonsoir, bonsoir, Joachim. Bonsoir. Oh, il est connecté. C'est un vlogueur. C'est comment? Comment tu vois l'histoire, c'est comment? Les subordinations cratisées, c'est comment? Tu vois le dossier, c'est comment? Il faut chercher la fille qu'on appelle Coco Lago, c'est Joachim. Cherche-la. Il faut suivre ce dossier à la longue. Elle pense qu'elle laisse. En tout cas, moi, j'ai fini. J'ai fini. Je suis trop énervé pour cette histoire. Bon, moi, je vais vous laisser. Demain matin, je vous balance les autres voices. Je veux balancer les autres voices. Demain matin, très tôt, 5h00, je me lève. Juste pour ça.